Joanne Lichens et je suis directrice de production au festival. Alors le Caribana fait cette année sa 28e édition. Ça a commencé par un groupe d'amis qui ont créé une fête de jeunesse au village et maintenant c'est devenu le festival qu'on connaît aujourd'hui, le Caribana Festival au bord du lac. Alors on a une capacité de 8000 sur tout le terrain, 5000 devant la grande scène et 2005 devant la scène du lac et 500 à la scène électro, la plateforme. On a environ 650 bénévoles qui travaillent et ça prend environ 2-3 semaines pour le montage. Après, il y a la semaine du festival et 10 jours, 2 semaines pour le démontage. Toutes les fonctions sont importantes parce qu'on a par exemple toute l'équipe de l'infrastructure qui monte le terrain. Ça, c'est un énorme travail et puis il faut que les structures elles tiennent, il faut être sûr que ce soit bien sécurisé, qu'il n'y ait pas des choses qui s'envolent ou que du public ne se blesse pas. Donc ça, c'est un gros travail que peut-être que le public ne se rend peut-être pas compte de qu'est-ce que ça implique. Pour moi, ça fait déjà très longtemps que j'y travaille. Hein. Donc c'est un festival que j'aime beaucoup. Et aussi parce que c'est un festival qui est très amical, très humain, qui est petit. On peut encore facilement croiser les gens qu'on aime, qu'on veut voir, boire un verre avec eux. Le public est quand même chanceux d'être très proche de l'artiste quand il est sur scène. Ce que j'aime le plus dans ce festival, c'est ces contacts entre nous, les bénévoles. C'est un gros travail sur toute l'année et des fois c'est difficile parce que c'est quand même pas facile d'avoir les artistes qu'on veut, il y a des annulations, on n'a pas l'argent pour les payer, donc il y a souvent des déceptions. Mais après, quand on arrive là, on oublie tout et on a une tellement bonne équipe que c'est juste un moment magique, quoi, où on partage plein de choses, des énervements, des joies, on se serre les coudes et puis au fait, c'est ça que moi, j'aime beaucoup.